Hey, c'est toi que j'ai vu. Ben oui, je sais que tu m'as vu aussi. T'as vu ce beau t-shirt de la boiserie? Je voulais pas un t-shirt en vrai de vrai, je voulais un RS3. J'avais pris deux participations pour les 10 voitures là. En vrai de vrai, j'appréhendais de tomber sur le Dodge Ram là, tu sais, parce que ça, j'en veux pas du tout, tu vois. Je voulais le RS3 et ben, j'ai pas eu le RS3, j'ai rien eu du tout d'ailleurs. J'ai eu ce t-shirt de consolation quoi, donc. Le boiserie. Cela dit, je soutiens toujours Farine de Blé. Hein. Voilà, je suis plus de ce côté-là, mode rafrite que boiserie, quoi. Vidéo du jour. Opel Meriva 1,7 litre. D'ailleurs, tu vois, quand on rentre un Meriva, on en rentre deux. C'est toujours comme ça. J'en ai parlé pour les freins. Dès que je fais des freins, c'est vrai que ça retombe pareil et tout. Un trou dans la durite de suralimentation. Mon collègue a mis du scotch rafrite. Ça ne tient pas forcément. Donc du coup, passage à la valise, problème de suralimentation. Donc aujourd'hui, on est. Oh bah tu as remarqué aussi. On fait dans le rod vénère maintenant, tu vois. Donc celui-là, on l'attache parce que c'est un jeune fougueux, quoi. Il n'a pas encore la bonne éducation. Mais cela dit, il est très gentil, quoi. À part de me baver partout dans la bagnole, il est sympa. Hein. Donc la durite de sural, elle est là. Elle n'est pas donnée d'ailleurs. Il m'avait dit un prix et au final c'était plus cher parce que soi-disant qu'il y avait des frais de port de je sais pas quoi. Toujours celui-là. Hein. Celui-là ne s'entend pas d'ailleurs avec l'autre parce que lui, un petit dominant quoi. Il s'attaque même aux ours. Bon, ça va, tu vas pas boire. Si? Bon. Donc elle se place comme ça, une espèce de S, je vais te la déballer. Et elle va de là à l'échangeur en bas. Dans ce petit moteur, il n'y a pas de place du tout. C'est la merde. Donc je pense qu'on va lever le moteur, le véhicule un petit peu de ce côté-là pour avoir plus de place pour passer mon corps. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Aujourd'hui, je vais te les montrer. J'ai acheté deux trucs. J'achète beaucoup sur le bon coin pour te dire. Et j'ai acheté deux choses là. Donc on va voir ce que c'est tout de suite ensemble. Je te le dis direct. Bon, il a un peu roulé, hein. Il a de la bouteille le truc. Mais un petit Polo Facom là. Vous allez être beau comme un camion avec ça, maman, l'auto, Facom. Facom is Facom. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la petite combi du Seigneur, maman, l'auto, Facom. Oh là 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 là, mais ça va charbonner avec ça. On va l'essayer de suite, tiens. Voir si elle est à ma taille déjà, hein. Ça serait bien. Hein. Celle-là, elle a l'air de moins avoir de bouteille, tu vois. Elle est nickel. Elle est d'origine, Facom. Regarde-moi ça, si elle est pas belle, hein, toute neuve. Bon, elle est un peu courte au niveau du bas, mais voilà. Donc j'ai une mauvaise nouvelle. Vous verrez plus mon cul. Voilà. Avec ça, t'es tranquille. Regarde, c'est nickel. Facom, it's Facom. Facom. Qu'il y ait un peu d'huile qui coule. Voilà, la fameuse durite. La réparation rafrite, elle avait été faite ici. J'ai perdu un collier dans la bagarre. Tu vois? Mais ça ne tient pas. C'est logique. On peut pas scotcher une durite de sural. Donc on va aller replacer ça ensemble. Ça c'est la partie haute. Ça c'est la partie basse.
jusqu'à tout là-haut. Impeccable, tout bien. On est nickel là. Des réparations comme ça, ça marche dans le désert. Et encore. Quand on accélérait, on entendait souffler du coup le scotch qui... Tout dégueulasse en plus. J'aimerais bien voir le trou quand même. Il y a de la mèche ou quoi? Ah, il est là le trou, regarde. Tu le vois la fonte là? Non, non, c'est ça qu'il a essayé de... Et en fait, regarde, ça a éventré même le scotch carrément. Ok. J'avais déjà passé la valise pour faire le diag, donc c'est sans surprise que ça va parler des bougies de préchauffage et de la suralimentation. Pression de suralimentation, basse pression, mauvais fonctionnement du circuit du relais de temps de préchauffage. Aucun code détecté. Parfait. Bon, ben voilà pour cette petite vidéo. Vidéo rapide, efficace. Le voyant moteur, c'est pas la remise à zéro de la vidange finalement. C'est bien le problème des bougies de préchauffage qui s'allument en maintenance. Comme, pas comme un problème moteur, mais comme une maintenance moteur. Donc il y aura un prochain tuto sur les remplacements des 4 bougies de préchauffage de ce 1,7 litre Opel. Elles sont derrière, c'est un petit merdier à faire, mais bah, de toute façon tout est un merdier sur les Merivac, soit l'embrayage, ou l'embrayage je le prends même pas, tu vois, pour te dire je le sous-traitant.